Bonsoir tout le monde, je souhaite que vous soyez tous en forme et en bonne santé. Alors je souhaite à tous les musulmans une bonne fête et puis je souhaite la bienvenue à tout le monde, ok? Peu importe votre religion, croyance, tout ça, vraiment ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse en fait c'est l'humanité, c'est l'amour, c'est la culture de la joie, la culture de la beauté, la culture de la force de personnalité et surtout, surtout, surtout la culture de la paix, ok? Et la culture des beaux messages comme le message que je viens de recevoir. Alors, je commence par me présenter. Je suis Asma Amdouni, une femme marocaine, une doctoresse en médecine générale. Je travaille au secteur privé à Boujdour. Boujdour, c'est une petite ville entre Laayoune et Dakhla, au sud du Maroc. Et sur les réseaux sociaux, je fais de la comédie musicale parce que je suis une actrice, comédienne, amatrice. Et tout ça dans le cadre d'une recherche pour m'améliorer, pour promouvoir la prise en charge des adolescents dans mon cabinet, c'est-à-dire les adolescents et les jeunes qui souffrent d'un problème de dépendance, d'addiction, de tabagisme. Et puis j'ai remarqué quelque chose de très important dans ma pratique professionnelle, c'est que les réseaux sociaux, le smartphone, toutes les plateformes où il y a moyen de parler et vraiment d'établir des liens et un contact avec des étrangers sur les réseaux sociaux, tout ça représente une source de problèmes de santé. Ça représente une source de manipulation. Un risque de pédophilie électronique, un risque d'être arnaqué, un risque d'être déconcentré par rapport à vos objectifs scolaires. Okay? On est sollicité par des parents qui ramènent leurs enfants pour un échec scolaire répétitif ou une phobie d'échec carrément. Pourquoi? Ou des problèmes physiques, c'est-à-dire des problèmes de la santé physique suite à beaucoup de problèmes, beaucoup de secrets entre guillemets, hein. Il y a beaucoup de secrets. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sensibiliser les gens et attirer leur attention sur l'importance de l'immunité émotionnelle sur les réseaux sociaux, surtout pour ce qui est des enfants et des adolescents. Pourquoi? Eh bien, pour encourager les adolescents à s'exprimer, à dire tout ce qu'ils ont dans le cœur. Exemple, les chantages. Exemple, les menaces sur les réseaux sociaux. Ok? Très bien. Alors pourquoi j'ai évoqué tout ça? Pour vous dire que ce que je suis en train de faire, ce que j'étais en train de faire en arabe, c'était un travail purement scientifique et très 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 humanitaire pour aider, prévenir, protéger nos enfants et nos adolescents. Et même les jeunes, les gens qui sont naïfs. Alors, je vais essayer de lire vos commentaires pour pouvoir me concentrer sur ce que j'ai à partager avec vous, bien évidemment. Et si vous avez des questions, parce que ce que je fais, moi, c'est partager et chercher. Partager, c'est-à-dire, je vous donne quelque chose et je prends quelque chose de vous, hein. Vous aussi, vous êtes très utile pour moi. Mais on n'est pas là pour faire des consultations, pour donner un avis. Si vous avez besoin d'un avis, il faut que ce soit personnalisé, individuel. Donc, il va falloir faire des consultations chez votre médecin de famille et puis il va vous orienter chez votre médecin psychiatre. Et c'est le médecin psychiatre qui prend en charge ce que j'appelle moi la chirurgie émotionnelle. Okay? C'est-à-dire que c'est le médecin psychiatre qui doit déterminer quel type de personnalité vous avez. Est-ce que vous avez une personnalité pathologique? Est-ce que vous avez un problème de personnalité? Est-ce que vous avez un problème de confiance en soi? Est-ce que vous vivez dans une atmosphère toxique? Et puis, il va vous aider à d'abord ne pas avoir peur d'une atmosphère toxique. Parce qu'on ne peut pas passer toute notre vie à éviter et à trembler et avoir peur et à se protéger d'une façon vraiment très 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 maniaque si vous voulez. Okay? La vie est belle, elle est trop belle. Sauf qu'il faut quand même développer et travailler et bien sculpter une certaine immunité émotionnelle. Point à la ligne. Okay? Alors, commençons par les commentaires de mes chers abonnés. Alors, le live d'hier soir, c'est déjà enregistré sur ma chaîne YouTube. Si vous avez envie
de voir la rediffusion, de regarder la rediffusion sur ma chaîne qui porte le même nom, Dr. Asma Amdouni. Et la vidéo, je l'ai nommée Arrêtez d'avoir peur des atmosphères toxiques. Okay? Bien sûr, tout en développant une immunité émotionnelle. Alors, premier commentaire. Salam, docteur Laziza, min Italie, bon broglaïd. Merci. Aïd Moubarak, le nest italien. Bonjour. Docteur Asma, t'es belle. Merci, c'est gentil. C'est vrai. Il doit avoir un psychologue et non pas un généraliste. Je ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que moi, dans mon travail, je n'ai pas le droit d'orienter le patient chez un psychologue. C'est interdit. Et moi, je suis d'accord avec cette décision. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas traiter quelqu'un qui n'a pas un diagnostic. D'accord? Un psychologue, c'est quelqu'un qui traite. Il fait un très bon travail. OK? Mais pour qu'il fasse un très bon travail, il a besoin d'un document. D'un document avec un diagnostic bien détaillé, d'accord? Le grand chef de la prise en charge des problèmes de santé et des conflits familiaux et des conflits relationnels et des faiblesses de personnalité et des problèmes en général émotionnels, psychiques, voire mentaux, c'est le médecin psychiatre, d'accord? C'est lui le patron, c'est lui le chef. C'est comme par exemple la police, nous avons le directeur général de la Sûreté nationale. Donc c'est lui qui décide, c'est lui le chef. Quand on veut prendre en charge un patient, il y a toute une équipe. Alors une équipe a un seul entraîneur. D'accord? Il y a Monsieur Walid Regragui par exemple, c'est lui le big boss, c'est lui le patron, c'est lui le chef, c'est lui le maître, c'est lui le chef d'orchestre. Ok? Alors si chacun de nous travaille à sa manière, ça veut dire que le patient ne va jamais être bien pris en charge. Alors, soit on va admettre et accepter et travailler et assurer un travail collectif tout en respectant un seul leadership, soit chacun de nous va faire un travail anarchique et ça, c'est du n'importe quoi, ok? Ça, c'est du commerce. Alors, nous, en médecine, on ne fait pas du commerce. On fait un travail collectif, c'est-à-dire, c'est le médecin généraliste qui est le manager médical du patient, okay, c'est à lui qu'on doit toujours revenir. Et le médecin psychiatre, c'est lui le directeur de la prise en charge psychique et mentale, mais c'est le médecin généraliste qui est le responsable de toute la prise en charge, c'est-à-dire ophtalmo, rhumato, endocrino, diabéto, urologique, diététique. Okay? Ça, c'est un travail d'équipe. Le psychologue, il fait partie de l'équipe, mais il n'est pas le directeur. Déjà, il n'a pas le droit de donner des médicaments. Et si le patient est schizophrène, excusez-moi, mais c'est vraiment illogique, illogique de traiter un schizophrène par un psychologue alors que le schizophrène a besoin d'un traitement et le psychologue n'a pas le droit de prescrire le traitement. Donc, je pense que là, on est bien d'accord sur le fait que soit on veut traiter, donc il faut respecter le travail collectif et respecter son patron. Soit on va exposer les gens malades au risque de ne pas prendre leurs médicaments. Et ça, c'est hyper dangereux. Genre un bipolaire, un schizophrène, quelqu'un qui est en dépression et qui a absolument besoin d'un traitement pharmacologique. Donc le psychologue, il n'a pas le droit, il n'a pas les moyens, il n'a pas reçu une formation lui permettant de prescrire des médicaments. Il n'a pas le droit de rédiger une ordonnance. Alors comment? Comment peut-on traiter un patient alors qu'on n'a pas le droit de rédiger une ordonnance? Vous voyez? Donc, écoutez, soit on accepte le travail collectif, soit on est nous-mêmes, on est malade. Vous voyez? Donc, le psychologue, bien sûr, il n'est pas malade, donc il sait très bien que il est incapable de travailler d'une façon individuelle. Le psychologue, il est vraiment bien développé sur le plan personnel. Il a une confiance en soi. C'est lui qui traite les gens qui ont un problème de confiance en soi. Donc il est bien sûr et persuadé que c'est un signe de confiance en soi de travailler d'une façon collective. Je pense que j'ai déjà répondu à cette question, mais je ne vais pas hésiter à traiter ce sujet à plusieurs reprises tant que vous en avez besoin. Autre commentaire, nos enfants sont très attachés au smartphone, vous voulez dire? Oui, c'est vrai.
La peur nous rend faibles, oui. Ok, merci pour l'info, je vous en prie. Très bien. Alors, immunité émotionnelle sur les réseaux sociaux. Pourquoi je me suis permise de dire ça? Premièrement, je suis docteur en médecine générale. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a mais j'ai pas accepté. Salam alaikum. Mataoui. Oui, bonjour Cédric. Mbarak Saïd. Voilà, bon, vous parlez en fait justement de l'immunité émotionnelle. Et du coup, en fait, vous parlez aussi de la psychologie et puis de la psychiatrie. Donc, étant donné que le psychologue ne peut pas prescrire, justement, éditer une ordonnance. Et la plupart en fait de nos en fait des patients s'adressent en premier lieu à un psychologue justement. Pourquoi? Parce que étant donné que c'est moins contraignant par rapport au vis-à-vis en fait les citoyens. Parce que si on dit comme quoi un patient qui en fait qui part chez un psychologue, automatiquement c'est moins mal vu en fait de la part des citoyens, c'est-à-dire en fait de l'entourage. Mais si on dit comme quoi le malade en fait ou la personne qui a des troubles justement qui s'adresse, qui part justement voir un psychiatre, ça devient automatiquement et c'est notre culture en fait. On voit que ils se disent comme quoi il est fou, voilà. Donc c'est ça le bémol. Moi Oui, vous je avez. voudrais comprendre. Moi, je voudrais comprendre, docteur, c'est que pourquoi on ne permet pas justement au psychologue justement de donner en fait déjà en fait d'aiguiller le patient vers un psychiatre et que le psychiatre soit vu comme une personne normale où on peut partir justement pour sans prendre des médicaments en fait, sans qu'il prescrive en fait des médicaments. Parce que la plupart, en fait, quand ils partent voir un psychiatre, la première des choses, c'est qu'ils leur donnent, en fait, ils leur prescrivent des antidépresseurs. Et là, les antidépresseurs, automatiquement, c'est une personne qui devient vraiment. Voilà, donc je ne sais pas comment le dire, mais voilà. Antidépresseur égale, justement, égale quelqu'un qui est fou, tout simplement. Et corrigez-moi si je me trompe. Non, non, non. Au contraire, vous avez parfaitement raison. Vous avez décrit toutes les difficultés qu'un médecin généraliste rencontre, face, et aussi toutes les problèmes pour ce qui est de la prise en charge. Alors, premièrement, vous avez dit que le psychologue, c'est le fait de solliciter un psychologue, c'est vraiment très doux, très soft, okay, et très bénéfique pour la population, pour la société, parce que quand je vais chez le psychologue, ça veut dire que je ne suis pas folle. Ça, c'est vrai, hein? Ça, c'est une évidence. Alors, ça c'est une très bonne idée. Un psychologue, il est capable de mettre un diagnostic, ok? Mais ça, c'est pour les gens qui ont déjà un certain niveau culturel. C'est-à-dire, quand tu parles en direct, écoutez, s'il vous plaît, est-ce que vous arrivez à m'entendre? Moi, je vous entends, docteur. Ah d'accord, merci. Très bien. Donc, un psychologue, il est capable de mettre le diagnostic. Il est capable de traiter beaucoup de problèmes de santé. Alors, pourquoi moi, j'ai dit qu'il ne faut pas solliciter un psychologue en premier? Parce que nous, les médecins, on trouve un grand problème. C'est quoi? C'est, premièrement, il y a plusieurs coachs au Maroc, et ça, c'est hyper grave. De tous les week-ends, à distance, et elle a pu décrocher un diplôme uniquement par voie postale. Et ça, c'est hyper grave. D'accord? Parce qu'il y a des conduites par les coachs qui sont très nocives pour la santé. Exemple, un psychologue clinicien, quand il voit, par exemple, quand il entreprend un interrogatoire avec un patient qui est en dépression vraiment majeure, grave, qu'est-ce qu'il fait? Donc, automatiquement, il est sûr, il est persuadé que le traitement pharmacologique est très urgent. Mais un coach qui n'a pas reçu, qui n'a pas bénéficié d'une formation aussi vraie et aussi professionnel qu'un psychologue clinicien, il est incapable, d'accord? Lui-même, il a un problème de confiance en soi. Pourquoi? Parce que moi, j'ai entendu une coach dire en direct sur une chaîne radio à une dame qui lui a dit,
Madame, je suis malade, je suis en dépression et je pense à vraiment mettre fin à ma vie. Ah donc, la réponse de la coach, c'était quoi? Elle lui a demandé de prendre plusieurs bouts de papier et d'écrire je suis heureuse et de le coller partout dans la maison. Alors, pour moi, je trouve que c'est illogique. Tous les psychologues cliniciens savent très bien que c'est très grave. Nous tous, on voit que c'est très dangereux. Donc, si tous les patients et tous les citoyens étaient capables de différencier entre un psychologue clinicien et un coach actuellement, donc je pense que solliciter un psychologue, ça va être très, très intelligent et surtout très efficient. Donc là, je ne suis pas contre. Deuxièmement, pourquoi j'ai dit qu'il faut toujours respecter le chef d'orchestre qui est le médecin psychiatre? Parce que le patient marocain, c'est quelqu'un de très généreux, c'est quelqu'un de très sentimental, c'est quelqu'un de très vulnérable. Et on ne peut pas nier que quand on part chez un psychologue, déjà, on a une amélioration qui est spectaculaire. Donc cette amélioration cette amélioration spectaculaire de l'état d'humeur, l'état d'esprit du patient qui sort du cabinet d'un psychologue clinicien, des fois, il le motive et il l'excite. Et il le motive à ne plus recourir à un médecin psychiatre. Et du coup, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des schizophrènes qui ne prennent pas des médicaments. On trouve des gens qui ont un trouble bipolaire qui ne prennent pas des médicaments. Et par la suite, qu'est-ce qu'on peut avoir, Sidi? On peut avoir carrément des crimes, soit allo, soit auto-agression, soit des meurtres, soit des suicides. Et ça, c'est hyper grave. Donc, moi, en tant que médecin généraliste, c'est comme si je pèse, je fais la part des choses et je vois les pour et les contre. Si vous partez chez un médecin psychiatre, automatiquement, on va éliminer et c'est à lui de prendre la responsabilité. Donc moi, vraiment, j'aimerais bien me libérer de cette responsabilité. Et même le psychologue clinicien, il sera pas responsable de tout ce qui va arriver au patient. D'accord? C'est comme si vous voulez, c'est quelque chose de responsabilité. C'est comme, on a une certaine loi vraiment plus ou moins militaire. Vous voyez? Mais sinon, je suis pour parce que vous avez dit que je suis totalement d'accord avec tout ce que vous avez dit, tant que le citoyen comprend très bien la différence entre un psychologue clinicien, un psychiatre et un coach. Un coach en général, moi, j'oriente jamais chez les coachs parce qu'on voit des catastrophes, sincèrement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, monsieur. Alors, déjà, je ne sais pas comment je pense que je vous ai Merci. invité sans faire attention. Je m'excuse hein, si je vous ai obligé de Non, venir. mais c'est moi qui ai demandé justement à monter, juste pour vous parler. C'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Merci, c'est gentil. Donc, du coup, en fait, j'ai une autre interrogation, si vous permettez. Bien sûr. Du coup, en fait, concernant le bipolaire et le lunatique. Donc, moi, j'aurais bien savoir justement la différence entre un bipolaire. Parce que un bipolaire, on peut la mettre dans une pathologie, d'accord, une maladie. Mais un lunatique, en fait, quelqu'un qui change de tempérament chaque fois. Donc, moi, je vois comme quoi c'est pareil, ou non, en fait. Vous me corrigez si je me trompe encore une fois. D'accord. Alors ça me dépasse un peu, mais je vais vous donner ce que je sais, parce que moi je suis médecin généraliste et je sais pas trop en psychiatrie parce que c'est pas ma spécialité. Mais je me permets d'expliquer les choses que je maîtrise. Alors quelqu'un qui est bipolaire, c'est quelqu'un qui voilà pourquoi moi je lance toujours la balle au psychiatre. Alors quelqu'un qui est bipolaire, comme son nom l'indique, c'est-à-dire quelqu'un qui a deux pôles. C'est-à-dire que des fois il est totalement positif, il est en phase de manie. Ça veut dire quoi la manie? Ça veut dire qu'il est en bonne humeur, il rit aux éclats, et c'est quelqu'un qui a une vivacité mentale, contrairement à la phase de dépression où il devient moins intelligent. Il a en cas de dépression, il a ce qu'on appelle un déficit ou un retard. Il est en retard, en déficit moteur, sensitif, cognitif. Quand il est en manie, il a envie de faire plusieurs projets. Quand il est en manie, il a par exemple une mémoire qui est extraordinaire. Genre, il peut très bien se rappeler de 4 ribes, 4 ribes, c'est-à-dire 24 fois 4. Donc ça, c'est hyper étonnant. Quand il est en phase de manie,
Il a ce qu'on appelle par exemple une hypersyntonie, c'est-à-dire que vous avez le patient qui dépasse ses limites, qui a un problème de courtoisie, qui peut très bien se permettre de vous toucher ou de détacher votre ceinture ou de votre montre. Quand il est en manie, il a par exemple une logorrhée, c'est-à-dire il n'a pas, comme on dit en arabe, pas de. C'est hyper important à mentionner. Quand on a un malade qui souffre d'un trouble bipolaire, il n'a pas le droit. Je souligne ça, il n'a pas le droit d'avoir des relations d'amour sans avis médical et d'entrer en contact avec des étrangers sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que le pauvre ou la pauvre, ils ont une excitation sexuelle qui est très 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 remarquable et les gens prennent mal tout ça. Moi, j'ai déjà vu des jeunes femmes, mères célibataires, ils sont tombés enceintes tout simplement parce qu'ils étaient tellement excités durant leur phase de manie. Et ça, c'est hyper dangereux. Donc, bipolaire, il oscille entre deux pôles, si vous voulez. Par exemple, il peut passer 2 mois, 3 mois de dépression. Donc, la dépression, c'est le retard, c'est off, c'est la négativité, c'est l'anhédonie, pas de plaisir. Nous avons les 3 P, ce que j'appelle moi les 3 P, c'est-à-dire une tristesse qui est pénible, qui est profonde et qui est prolongée. Nous avons le patient qui nous dit, docteur, je ne peux pas exister. C'est difficile de continuer à exister. C'est un sentiment qui est très bizarre, la dépression. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a jamais vécu ça, c'est impossible de le comprendre. C'est impossible. On peut traiter des gens, mais ne pas comprendre la dépression si on ne l'a pas vécu. Okay? Voilà, le bipolaire, c'est un peu ça. Alors, pour autre chose, je pense qu'un médecin psychiatre, il pourra répondre à votre question d'une façon professionnelle et surtout très exacte. Merci, docteur. Je vous en Dernière prie. interrogation, je suis un peu lourd, mais excusez-moi pour ça. Non, on est là pour Donc, apprendre, non? oui, en fait, justement, en termes de données que vous êtes MG, vous êtes médecin généraliste, Mmh. moi, j'aurais bien aimé savoir, est-ce qu'au niveau marocain, est-ce qu'il n'y a pas des recherches épidémiologiques? Très bonne question. Alors, je vais être très honnête avec vous. Moi, j'ai jeté un coup d'œil sur le site. La dernière fois que j'ai jeté un coup d'œil sur le site du ministère de la Santé, j'ai trouvé que 48% des Marocains ont déjà présenté un problème de santé psychique ou mentale. Moi, je vous assure que plus que 80%, ils ont un problème. Je vais vous donner deux raisons ou deux justifications. La première, c'est que chaque malade, okay, chaque patient malade partout dans le monde, s'il a un problème de santé psychique assez remarquable, genre une dépression, un trouble de panique, une phobie, un TOC, un trouble obsessionnel-compulsif, il faut toujours garder dans l'esprit un réflexe très 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 important et sûr, c'est que sa mère est malade. Alors moi, quand j'ai passé mon stage de psychiatrie, parce que les médecins généralistes, ils sont dans l'obligation de passer par la psychiatrie 3 fois. Donc, qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué que les professeurs ne peuvent pas traiter ou mettre un diagnostic de certitude, de confirmation finale, sans avoir interrogé toute la famille. Et ça, c'est hyper important. Il faut que tous les Marocains sachent ça. Quand le ministère de Santé dit qu'il y a une partie des gens qui sont malades, il faut savoir pourquoi ils sont devenus malades. Automatiquement, la maman est malade. Ça, c'est une conviction. Nous tous, on a touché ça. Moi, à chaque fois que je suis sollicitée pour traiter un patient, qu'il soit tabagique, alcoolique, échec scolaire, conflit conjugal, conflit familial multidimensionné, alors à chaque fois, je trouve que la maman est malade. On est contaminé par toutes les difficultés psychiques et mentales de la maman. Ça, de un. Ou du père, mais surtout la maman. De deux, pourquoi 48% c'est vraiment sous-diagnostiqué? Parce qu'il y a une grande partie des gens qui viennent consulter en psychiatrie, ce ne sont que les victimes des vraies maladies. Un pervers narcissique ne va jamais faire une consultation de psychiatrie. Un manipulateur ne va jamais faire une consultation de psychiatrie. Les vrais malades ne viennent pas consulter et refusent d'accompagner leurs victimes. Exemple, un parent toxique ne vient pas consulter. En pédopsychiatrie, notre prof de pédopsychiatrie nous a dit, il y a le syndrome des enfants qui ramènent leurs parents malades. Et ça, c'est vrai. Donc, quand on dit 48% des Marocains sont malades, donc
Il y a plusieurs billets, si vous voulez. Donc, toutes les statistiques et toutes les études épidémiologiques au Maroc, elles sont, je dirais pas erronées, mais elles sont pleines de billets. Pourquoi? Parce que nous avons un grand nombre de cas sous-diagnostiqués, c'est-à-dire, ils n'ont jamais été diagnostiqués. D'une autre part, il faut savoir qu'il y a des gens, il y a des zones au Maroc où il n'y a pas de psychiatre. Par exemple, Bouchetour, il n'y a pas de psychiatre. Donc, automatiquement, et je veux dire quelque chose de très, très, de très affreux, si vous voulez. Alors, pardon. Il y a quelques années, il y a une dame qui a tué deux enfants. Ses deux enfants. Donc, ça, c'est hyper méchant. Alors, si on dit qu'une étude épidémiologique a révélé que 40% des Marocains sont malades, donc automatiquement, à Bouchetour, on n'a pas de statistiques dans les bourgs, dans les villages. Donc il y a des zones qui n'ont pas été et qui ne sont pas concernées par cette étude. Voilà. Et donc c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport aux études épidémiologiques. Les billets sont tellement importants. Voilà pourquoi on ne peut pas compter sur une étude épidémiologique générale, mais sinon, c'est la pratique, notre pratique au quotidien qui nous permet d'avoir une certaine étude statistique. Maintenant, si le ministère de la Santé recourt aux médecins qui travaillent au secteur privé, donc mais généraliste, parce que si on se contente uniquement des statistiques des médecins psychiatres, vous avez dit au début une remarque très pertinente. Il y a des patients qui sont malades, qui viennent consulter le médecin généraliste pour une dépression, parce qu'on a le droit de traiter. Mais quand on les oriente chez le psychiatre, ils ne partent pas. Donc, ils ne sont pas pris en charge par ils sont pas pris par ces études épidémiologiques. Vous voyez? Voilà. J'ai donné ce que j'ai dans le crâne. Sûrement, il y aura d'autres explications quelque part. Ben, j'ai beaucoup appris, docteur, merci beaucoup. Je vous en Et prie. étant donné, est-ce qu'il y a des statistiques par rapport à ça et comment en fait les données, la data remontent justement pour avoir des statistiques? Alors, voilà, à mon avis, je pense que il faut faire un autre type d'étude, l'étude des billets. Et quand on insiste sur les billets, on insiste sur les problèmes de santé. Et là, j'aimerais bien vraiment ne pas trop parler de tout ce qui est politique, de gestion, de tout ça, pour que je sois honnête avec vous, parce que je ne veux pas rentrer dans des labyrinthes et avoir des problèmes. Je pense que vous avez compris. Très clair. Merci, docteur. Merci Merci beaucoup, docteur. beaucoup. Alors, maintenant, nous allons. J'ai trop apprécié les interventions du monsieur parce qu'il est, premièrement, il est bien instruit, il a quelque chose et il veut apprendre d'autres choses. Deuxièmement, il a posé des questions qui sont vraiment trop ciblées, bien ciblées, et des questions qui sont vraies, qui sont authentiques et qui sont en rapport avec le sujet. Très bien. Alors maintenant, je vais vous Merci parler. beaucoup, docteur. Je vous en prie, Céline. Alors là, on va faire un truc très important. Immunité émotionnelle sur les réseaux sociaux. Alors, premièrement, l'objectif de cela, il faut toujours fixer un objectif pour arriver à des fins, pour le réaliser. Okay? Donc, l'objectif principal de ce live, c'est aider les gens vulnérables qui n'ont pas d'immunité à découvrir l'importance de l'immunité. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de ça. Okay? Donc, je découvre quelque chose, je comprends quelque chose et par la suite, je peux le déployer. Mais tant que j'ignore la présence de quelque chose, automatiquement, je ne vais pas m'en servir. Exemple, les mixeurs. Imaginons si on n'a jamais vu des mixeurs. Donc, automatiquement, on ne va pas les utiliser. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qu'ils existent. Alors, immunité émotionnelle, je veux que les gens découvrent que ça existe. Exemple très simple. Je vais vous donner les catastrophes pour vous aider à comprendre l'importance de ce qu'on fait. Parce que il ne faut pas faire quelque chose qui n'est pas important. Il ne faut pas faire quelque chose qui n'est pas bénéfique. Il ne faut pas faire quelque chose qui n'a pas de valeur. Okay? Alors, quelles sont les catastrophes liées à l'absence d'immunité émotionnelle sur les réseaux sociaux? Catastrophe numéro 1, la pédophilie électronique. Alors ça vraiment, ça me tue.
La pédophilie, par définition, c'est abuser du corps de quelqu'un qui n'a pas 18 ans. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de s'approcher du corps ou d'abuser du corps ou de trouver un certain plaisir en manipulant le corps de quelqu'un qui est moins âgé que nous, qui est moins âgé, qui a plus moins de 18 ans. Okay? On n'a pas le droit. Alors, c'est quoi la pédophilie électronique? C'est quelqu'un qui est là pour guetter l'apparition et pour détecter l'activité des enfants. Malheureusement, les Marocains font commettent une erreur, une bêtise très très flagrante. C'est quoi? Vous enlevez vos photos et vous mettez les photos des enfants. Alors, qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? L'idée que vous avez dans l'esprit, c'est que, ah oui, mon épouse ne pose pas, ne met pas, ne publie pas ses photos. Parce que je suis jaloux. Donc, si elle met les photos de mes enfants, c'est pas grave. Alors, pourquoi vous êtes jaloux, monsieur? Vous êtes jaloux parce que vous n'avez pas envie qu'un homme voie ou aperçoive votre épouse. Ok, je comprends, c'est bien, c'est très beau d'être jaloux, ok? Ça, c'est vrai. Maintenant, pourquoi vous n'avez pas peur de publier les photos de vos enfants? Parce que vous avez un esprit sain. Parce que vous êtes quelqu'un de propre de l'intérieur. Okay? Vous êtes tellement propre de l'intérieur que vous avez l'impression que tout le monde est propre. Alors, première leçon dans l'immunité émotionnelle en général et sur les réseaux sociaux plus spécialement, c'est arrêtons de penser que les gens sont comme nous. OK? Good life, thank you. Alors, pour le monsieur qui a participé au live, donnez votre autorisation, s'il vous plaît, parce que j'enregistre les rediffusions sur YouTube et sur Facebook. Est-ce que ça vous dérange que je publie cet épisode où vous avez parlé? C'est-à-dire, il y aura votre voix qui va être. Est-ce que ça vous dérange pas? Si ça ne vous dérange pas, je peux enregistrer la rediffusion tranquillement. Ben, sinon, je vous promets que je ne vais pas. Pas du tout. Très bien, merci beaucoup. Alors, la jalousie est une qualité. Ok, très bien, parfait. Vous êtes jaloux, vous avez demandé à votre épouse de ne pas publier, de ne pas partager ses photos. Très bien. Votre épouse, qu'est-ce qu'elle a fait? Par respect à votre jalousie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a supprimé ses photos et elle a mis les photos de son bébé. Vous êtes très propre, vous êtes trop clean. Vous avez l'impression que tout le monde est comme vous. Ça, c'est une erreur. Alors, première leçon, prenez note, hein, c'est très important. C'est très important parce que je suis en train de vous donner les tout petits outils très faciles à pratiquer et à utiliser. Chaque jour, à chaque fois que quelqu'un parle, vous devez toujours garder dans l'esprit que cette personne n'est pas obligée d'être comme moi. Donc, je vous en prie, d'accord. N'est pas obligé d'être comme moi. Je m'explique. Les menteurs demandent toujours aux gens de se justifier. Pourquoi? Parce que le menteur, il croit que tout le monde est un menteur comme lui. Les gens qui sont pas des menteurs, ils n'osent pas demander aux gens de se justifier. Pourquoi? Parce qu'ils croient que tout le monde ne ment pas. D'accord? Ça, c'est inconsciemment. Hein? On fait ça inconsciemment. Donc, vous, quand vous acceptez, vous donnez l'autorisation à votre épouse de publier les photos de vos enfants, dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre inconsciemment, vous avez cru que tout le monde va voir les enfants comme étant des enfants. Alors là, je vais vous choquer ce soir. Savez-vous qu'il y a des pédophiles qui peuvent voyager d'un continent à un autre uniquement parce qu'ils sont tombés sous le charme des petits sillons que nous avons, que les bébés ont dans au niveau des chevilles et au niveau des poignets. Vous connaissez très bien les tout petits sillons qui se tracent quand le bébé est un peu potelé, si vous voulez, un peu obèse. Il y a des sillons, il y a des plis. Vous savez qu'il y a des pédophiles qui adorent ces détails. Est-ce que vous êtes prêt à être choqué? Est-ce que vous êtes prêt à être choqué ce soir? Je vais vous expliquer la séduction. Comment un bébé peut séduire un pédophile? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous me donnez le feu vert pour que je vous choque ce soir?
Alors, premièrement, les plis. Les plis cutanés que le bébé a, au niveau du cou, au niveau des poignets, au niveau des chevilles. D'accord? Nous, on trouve que c'est mignon, que c'est trop chou, trop mimi, trop cute, ok? On adore ça. On voit les enfants comme étant des petits oursons, des petites poupées, ok? C'est très doux de voir ça. Mais il y a des gens qui ne sont pas comme nous. Il y a des pédophiles qui ne sont pas comme nous. Il y a des pédophiles qui peuvent très bien se mettre en érection carrément une fois ils voient ce pli cutané. Vous voyez? Alors ça, c'est hyper méchant. C'est affreux, c'est dangereux, c'est inquiétant. C'est très menaçant. Deux, quels sont les critères que malheureusement beaucoup de gens publient leurs enfants sans faire attention à ces critères? Alors, les cils au niveau des yeux, au niveau des paupières, au niveau des bords des paupières, nous avons des cils. Okay? Alors, les petits bébés et les enfants qui ont plus de cils, okay? Ça c'est un signe de charme qui attire certains pédophiles. Okay? Ils n'aiment pas, par exemple, un monsieur ou une femme. Hein? Attention, il y a une idée que j'aimerais bien partager avec vous. Arrêtons de condamner et arrêtons d'accuser les hommes comme étant les seuls pédophiles. D'accord? Arrêtons de croire que ce ne sont que les hommes qui peuvent abuser des corps des enfants. Il y a même des femmes. Je vais vous donner les clés. Les clés. En fait, j'ai passé plusieurs mois, plusieurs années à chercher des choses et je vais les partager ce soir avec vous tranquillement. Il y a des femmes qui adorent faire l'amour ou le sexe avec les enfants. Ok. Alors, quelles sont les choses qui poussent les gens à devenir pédophiles? Il n'y a pas que les antécédents de pédophilie ou les antécédents d'abus sexuels ou les antécédents de viol, non. Vous savez, quand on est, par exemple, des musulmans, quand on est des bons pratiquants, quand on est des bons croyants, quand on est des gens qui n'ont pas le droit de faire le sexe en dehors du cadre de mariage, des fois la femme, elle n'est pas satisfaite. Okay? Pourquoi elle n'est pas satisfaite? Parce que malheureusement, on a un problème d'éducation sexuelle. Exemple, il y a plusieurs familles au Maroc où, et partout dans le monde, okay, où la femme passe la nuit dans une chambre et le monsieur passe la nuit dans une autre chambre. Alors déjà ça s'appelle une séparation conjugale ou une séparation physique, une séparation intime. Ça, c'est hyper violent et agressif de la part du partenaire. Okay? Ça torture, ça tue. Un monsieur qui passe la nuit seul dans une chambre est un monsieur qui va sûrement, sûrement souffrir au niveau de ses testicules. C'est un monsieur qui a besoin de vider ses testicules. C'est un monsieur qui va avoir des problèmes au niveau de son appareil urogénital. C'est un monsieur qui risque d'avoir des problèmes au niveau de plusieurs organes. Pourquoi? Vous savez, le sperme est un liquide biologique qui est très important pour la santé et pour l'espèce humaine. Parce que sans sperme, vraiment, il y aura une disparition de l'espèce humaine. Est-ce que vous êtes d'accord? Sans reproduction, on va disparaître. Donc, le sperme, c'est un produit qui est produit par trois organes: testicules, prostate et vésicule séminale. Donc, un monsieur qui ne vide pas ses testicules, qui ne fait pas l'amour correctement, c'est un monsieur qui va faire souffrir ces trois organes gratuitement, bêtement. Alors là, je vais parler. Il y a plusieurs hommes, malheureusement, qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas comprendre et qui ont un problème d'endurance et de compétence cardiovasculaire et qui sont trop pressés pour éjaculer rapidement. Alors, une fois que vous éjaculez rapidement, il y a la femme qui souffre. Donc, personne ne comprend l'autre et personne n'a une idée sur la vie sexuelle de l'autre et personne n'a une idée sur l'orgasme du sexe opposé. Ça, c'est hyper grave. La femme, elle a besoin de plus de temps, elle a besoin d'être traitée comme une princesse, elle a besoin de cadeaux, elle a besoin de ne pas passer une journée très fatigante, elle a besoin d'être gâtée, chouchoutée, elle a besoin de plus de temps, elle a besoin de plus de préliminaires. Or, le monsieur,
Il peut se mettre directement, être prêt rapidement, rien qu'en pensant à quelque chose. Okay? C'est-à-dire, il suffit de lui dire quelque chose, okay, pour qu'il commence pour qu'il soit prêt, carrément. Okay? Pourquoi? Parce que chez les hommes, tout se passe dans la tête. Vous, les hommes, vous n'avez pas la même mentalité que les femmes et les mêmes mécanismes, ni les mécanismes d'orgasme, ni les mécanismes d'excitation, ni les mécanismes de réflexion en général. D'accord? On est très différents. Alors, quand on a affaire à quelque chose de très différent, il faut chercher le catalogue. Il faut chercher le petit guide. Puisque je ne suis pas un homme, puisque j'ai jamais été un homme, donc automatiquement, je ne peux pas comprendre un homme. Alors moi, j'ai fait des études qui m'ont permis d'accéder à l'éducation sexuelle dans la faculté de médecine par des professeurs de psychiatrie spécialisés en sexologie. Et ça, ça a été très bénéfique pour moi. Mais les femmes n'ont pas toutes eu cette chance. Alors, vous n'êtes pas obligées d'être toutes des doctoresses, mais vous êtes dans l'obligation de parler tranquillement, discrètement, d'une façon très professionnelle avec votre médecin généraliste. Et en cas de besoin, il va vous orienter chez votre médecin sexologue ou psychiatre spécialisé en sexologie. Ou si le médecin psychiatre ne fait pas la sexologie, il peut vous orienter à un psychologue qui fait de la sexologie. Vous voyez? Maintenant, pour les hommes, un homme n'a jamais été une femme. Donc automatiquement, il est dans l'incapacité de comprendre l'orgasme d'une femme. Très bien. Un homme n'a jamais été une femme, donc automatiquement, ne va pas comprendre la souffrance d'une femme face à un monsieur qui a une éjaculation rapide. Éjaculation rapide, c'est la destruction des femmes. D'accord? Si vous voulez détruire une femme, gardez votre éjaculation rapide. Elle va devenir frustrée, elle peut même développer des troubles de sommeil, elle peut même développer une tristesse, une insatisfaction, et jamais elle pourra toucher le bien-être. Pourquoi? Parce que la femme, elle a besoin de plus de temps, et vous, c'est comme si elle a besoin, par exemple, de faire un live pour expliquer un phénomène ou des phénomènes, et elle s'apprêtait elle s'attendait à un live qui va durer 30 minutes, par exemple, 40 minutes. Et vous venez pour faire une story de 30 secondes. C'est très méchant, ok? Alors, durant la jeunesse, les couples, ils font pas attention à tout ça. Et la femme, elle est là pour se taire, ok? Parce qu'elle n'a pas le droit de dire au monsieur, à son époux, je suis pas arrivée à mon orgasme. Il y a même des gens, j'ai traité des cas où le monsieur insulte la dame en lui disant, vous êtes froide, vous n'êtes pas une femme, vous n'êtes pas une vraie femme, carrément, hein. J'ai vu une femme qui allait se suicider, qui a tenté de se suicider. Pourquoi? Parce qu'elle a été insultée à plusieurs reprises par un monsieur, par un époux, qui l'a traitée de froide. Alors ça c'est grave, hein. Déjà un problème de communication corporelle associé à un problème de politesse et d'éducation. Vous voyez? Alors, quand la femme n'est pas bien traitée sexuellement, n'est pas bien épanouie sexuellement, automatiquement, une fois elle aura ses enfants, une fois elle va mettre au monde des enfants, elle aura plus besoin de vous. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais connu l'orgasme avec toi. Donc, elle va vivre toute seule elle va passer ses nuits toute seule dans une chambre, et vous allez passer vos nuits tout seul dans une autre chambre. Alors ça, c'est une catastrophe. C'est un problème de santé grave. Les gens mariés qui ne passent pas la nuit dans une seule chambre, ce sont des gens qui souffrent et qui font souffrir toute une société. Parce que cette femme, elle a des envies. Et si vous laissez un gamin ou un préadolescent ou un adolescent avec elle, elle peut très bien abuser de son corps. Alors moi, personnellement, j'ai déjà traité des messieurs âgés de plus de 50 ans qui m'ont raconté avec tous les détails tout ce qui s'est passé durant leur enfance, durant leur préadolescence et durant leur adolescence. Ils ont été victimes d'une pédophilie de la part de femmes, mais
au Maroc, si on dit, c'est très honteux de dire j'ai été violée ou j'ai été victime de pédophilie de la part d'une femme, de ma tante, d'une voisine, de l'ami de l'ami de ma mère, ok? C'est très honteux. Et il y a même des hommes qui, une fois adultes, ils aiment, ils prennent ça pour des aventures, hein. Ils prennent ça pour des fois, il y a même des gens qui sont fiers d'avoir pu faire l'amour et séduire une femme avant de devenir adulte. Vous voyez? Donc, tout ça pour vous dire que pédophilie ne veut pas dire un monsieur qui abuse du corps d'un enfant. Pédophilie, c'est un adulte. Ça peut être des femmes, comme ça peut être des hommes. Okay? Alors, la pédophilie, maintenant, on va revenir à notre sujet immunité émotionnelle sur les réseaux sociaux, chapitre pédophilie électronique. Quand une femme pédophile voit les photos d'enfants, elle peut très bien voyager d'un pays à un autre, d'une ville à une autre. Elle peut très bien entrer en contact, créer un lien d'amitié, établir un lien d'amitié avec la maman ou avec le monsieur qui a publié les photos de ses enfants. Pourquoi? Parce qu'elle a envie d'embrasser, d'abuser du corps de ses enfants dont les photos ont été publiées. Je sais très bien que c'est choquant. Il y a des gens qui vont pas croire à ce que je suis en train de dire. C'est très normal. C'est ça, en fait, le rôle. Et ça va me rendre vraiment un... I will be proud of myself if that happens. Parce que si tu n'as jamais entendu parler de la pédophilie électronique de la part des femmes, ça veut dire que je suis en train de faire un bon travail. Ok. Maintenant, on va revenir à pédophilie électronique de la part d'un monsieur, parce que c'est le plus courant. Comme ça, vous allez adhérer à ce que je suis en train de rapporter. Un pédophile qui voit les photos d'un enfant sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai déjà vu une influenceuse marocaine qui a fait toute une crise, qui a enregistré, qui a publié une vidéo où elle était très furieuse. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire vraiment plein de haine, harcèlement, d'impolitesse, d'indiscrétion par rapport au cuisse de sa fille. Okay? C'est-à-dire, il a fait une remarque par rapport aux cuisses d'une fille. Et l'influenceuse avait peur, elle était frustrée, elle était vraiment furieuse, pardon. Elle était très, très, très colérique. Pourquoi? Parce qu'elle avait peur. Elle a dit, j'ai jamais cru qu'un monsieur va faire une remarque par rapport à ma petite fille. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas doctoresse, parce qu'elle n'a jamais entendu parler de ça. Donc, publier les photos des enfants, c'est pas anodin. Il faut pas se dire, c'est pas excitant. Non, c'est excitant. Je vais vous donner un exemple, un autre exemple. Il y a des gens qui demandent à leurs enfants, à leurs petites filles, âgées de moins de 6 ans, moins de 5 ans, moins de 4 ans, de mettre le voile. Est-ce que vous avez déjà vu des petites filles qui portent le voile? Des filles de 3 ans, de 4 ans. De 4 ans, 4 ans. Avez-vous déjà vu des filles de 4 ans qui portent le voile? Oui ou non? Voile, foulard, l'essentiel c'est que elles sont bien couvertes, comme si c'était des femmes. Oui, très bien. Alors, je vais vous donner quelque chose de très 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 important. Quand un papa demande à sa petite fille, âgée de 3 ans ou de 4 ans, de mettre le voile, c'est-à-dire que ce papa a senti la féminité et a eu un sentiment de plaisir en visualisant sa fille. Il y a des cas où les patients disent, ou les gens disent, ou les hommes disent, je n'embrasse pas ma fille, je donne pas des bisous à ma fille.
Je ne sers pas ma fille, ok? Il y a des femmes qui souffrent, qui te disent, docteur, je veux que mon père me serre, j'ai besoin de lui, j'ai besoin de son amour. Mais le père, il est dans l'incapacité de serrer sa fille. Pourquoi? Parce qu'il va s'exciter. Alors ça, c'est une réalité. Ça, c'est un détail qui n'est pas clair, mais qui est vrai. Alors, ces messieurs, ils s'y connaissent très bien, hein. Il a un sentiment, ok? Il a une excitation. Et une fois qu'il a cette excitation, il refuse d'embrasser, de saluer par la bise, de câliner, de caresser même la tête de sa fille. Par exemple, une fille âgée de 12 ans qui est privée de l'amour paternel uniquement parce qu'il a peur. Il a peur de commettre une bêtise, ok? Ça, c'est vrai. Et la preuve, c'est qu'il y a des hommes qui ont déjà violé leur fille. Il y a des gens qui ont, il y a des hommes qui ont déjà abusé de leur fille. Il y a des filles qui sont tombées enceintes de leur papa. Alors, pourquoi le papa a pu pénétrer sa fille? Parce qu'il a été excité. Pourquoi il a été excité? Parce que c'est comme ça. Il faut qu'il parte chez un médecin psychiatre. Il faut que le médecin psychiatre fasse plusieurs consultations et plusieurs interrogatoires. C'est à son médecin psychiatre de donner une explication claire et détaillée pour nous expliquer comment est-ce que ce monsieur a pu être excité et a pu se mettre en érection face à sa fille qui n'a jamais tenté de provoquer sexuellement son père. D'accord? Alors, le monsieur, quand il demande à une fille de 3 ans de porter le voile, ou à une fille de 3 ans de se couvrir totalement, c'est-à-dire qu'il a senti l'obligation et la nécessité de couvrir sa fille. Ok. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Il a peur de lui, de sa réaction. Il a peur de ne pas être capable de se contrôler. Ou il a peur parce qu'il sait très bien que la société où il vit est malade. Dans tous les cas, c'est grave. Pour moi, dans tous les cas, c'est grave. Parce que la fille, elle est âgée de 3 ans. Donc, comment est-ce que je peux couvrir ma fille âgée de 3 ans? C'est-à-dire que je suis sûre qu'il y aura quelqu'un, si ce n'est pas lui, automatiquement. Il a déjà entendu ça dans les cafés. Il a déjà entendu parler de certaines histoires très sombres d'abus sexuels. Dont la victime a été une gamine de 3 ans, de 12, de 2 ans. Nous, les médecins, on a déjà vu des cas de pédophilie chez les nourrissons, même chez les nouveau-nés. OK? Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui a attiré, qu'est-ce qui peut exciter un monsieur chez une fille de 6 mois, d'un an? La réponse est simple. Il y a des messieurs qui ont déjà pénétré des coqs, des poules, ok? Et un poulet rôti et poulet pénétré. Alors, c'est quoi le délire? C'est quoi le délire? Il y a ce qu'on appelle le fétichisme, carrément, le voyeurisme. Il y a des gens qui peuvent très bien faire le sexe avec des soutiens-gorge. Point à la ligne. Alors ça, c'est hyper grave. Pour éviter tout ça, il faut pas tomber dans la frustration. La frustration, c'est quoi? C'est l'insatisfaction, c'est l'excitation sans orgasme. C'est-à-dire, si tu n'es pas satisfait, tranquillement satisfait, honnêtement, entièrement satisfait, si tu vides pas correctement tes testicules, tu vas souffrir. Et quand tu vas souffrir, il y aura un mélange des interactions entre ce que tu as dans le crâne, ce que tu as appris à l'école, ce que tu as reçu comme éducation, ta colère réprimée et tous les traumatismes coincés dans ton inconscient, et puis d'autres choses vont intervenir comme la consommation de drogue, quel type de drogue, et quelle qualité de drogue et beaucoup de choses. Quelqu'un qui boit du whisky n'a rien à voir avec quelqu'un ou du bon vin blanc n'a rien à voir avec quelqu'un qui boit de l'eau de vie, ok? Il y a beaucoup de choses qui doivent normalement être détaillées dans l'observation médicale ou le dossier clinique du médecin psychiatre. Très bien, donc je vais jeter un coup d'œil sur vos commentaires.
avant de vous dire au revoir, parce que je suis un peu fatiguée. Ce sont des gens qui doivent être enfermés dans la savane, loin de nous, et non pas se marier. Et faire... Oui, madame, c'est très dangereux. C'est très dangereux de se marier. Moi, je pense que pour se marier, il faut regarder le monsieur le juge face, droit dans les yeux, comme le regard que vous voyez sur ma photo, et lui dire, oui, monsieur le juge, je veux fonder une famille, je veux avoir un foyer et je suis capable de protéger mes enfants. Mais protéger vos enfants de qui en fait? De vous d'abord. Il faut protéger les enfants de leurs parents. Il faut qu'il y ait un moyen. Il faut arrêter de penser que les parents sont des gens qui ne peuvent pas nuire à la santé de ces enfants. De un. De deux, il faut que l'instituteur ou le, voilà, l'instituteur ou la maîtresse, il faut qu'elle apprenne, il faut qu'elle sache d'abord qu'elle est là pour protéger, pour aider, pour participer à l'évolution et au développement de la personnalité du petit. Écoutez, je ne sais pas est-ce que vous allez être en accord avec moi, mais moi, j'aurais bien aimé que quelqu'un prenne soin de la personnalité de mon enfant au lieu de lui enseigner des cours hein, de mathématiques, de géographie, de je ne sais pas moi. L'essentiel pour moi, c'est que mon fils soit en bonne santé, point à la ligne. Je ne veux pas que mon fils soit malade, soit tordu, soit complexé par les ou contaminé par les complexes des autres. Hein. Un autre commentaire, autre raison peut-être pour qu'elle soit bien éduquée et s'habitue avec le hijab, c'est-à-dire le voile, dès l'âge précoce. Oui, vous avez raison, il y a des gens qui disent que s'habituer à faire quelque chose est très important. Mais il y a quelque chose de très important. Avant 7 ans, les enfants ne doivent pas apprendre certaines choses. Comme quoi? Comme la générosité. Alors, pour graver quelque chose dans l'esprit des gens, il faut savoir que des fois, on grave des choses qui vont être très toxiques après. Genre, si je demande à mon fils d'être très généreux avant 7 ans et de partager tout ce qu'il a entre ses mains avec les autres, après, c'est pas de la générosité. Il va devenir docile. Il va devenir quelqu'un qui ne s'aime pas. Je dois vraiment bourrer mon enfant par l'amour. Il faut s'aimer. Il faut qu'il s'aime. Il faut qu'il soit égoïste. Hein, le bon égoïsme. Hein. Alors, si mon enfant, si j'enseigne la générosité, l'abnégation, l'altruisme à mon enfant âgé de moins de 7 ans, après, il va toujours donner la priorité aux autres. Il sera toujours pris en charge. Il aura toujours, il se donnera toujours la deuxième place. Ok? Je ne sais pas est-ce que j'ai été claire. Voyez? Alors, enseigner ou habituer, pardon, habituer son fils ou sa fille à mettre le voile, oui, l'idée est bonne, mais cette fille, normalement, si tu veux qu'elle mette le voile après, écoutez, nous, on est tous et toutes contaminés par nos parents. Si tu veux pas, si vous voulez pas que votre fils soit un menteur, arrêtez de mentir. Ben, si vous voulez pas que votre fils soit un paresseux, arrêtez d'être paresseux. Si vous voulez que votre fils soit vraiment brillant, il faut apprendre à être brillant. Quand je vois mon père lire des livres, automatiquement, je vais lire des livres. Nous, on est comme des perroquets. Vous voyez? Mais déjà, le fait d'avoir pensé qu'une petite fille de 3 ans doit mettre le voile, c'est-à-dire que dans votre entourage, peut-être que c'est pas vous, peut-être que vous n'êtes pas un pédophile, mais peut-être que dans votre entourage, il y a quelque chose qui va pas. Parce que si l'entourage était sain à 100%, jamais un papa va penser que la petite fille de 3 ans, de 4 ans, doit mettre le voile. Voilà, ça c'est mon idée. Ça c'est mon idée. Et j'ai déjà vu les conséquences de ça. Et puis voilà, hein, c'est pas absolu. Okay? Vous n'êtes pas obligé de suivre ce que je fais, ce que je dis. On est là pour débattre. Mais c'est très bien de garder dans l'esprit que. Un enfant, normalement, en principe, le corps d'un enfant n'excite pas une personne normale. Okay?
Moi, par exemple, je ne peux pas être excitée par un enfant. Je ne peux pas être excitée par un monsieur qui n'est pas assez viril. Je ne peux pas être excitée par quelqu'un qui ne fait pas du sport. Je ne peux pas être excitée par quelqu'un qui n'a pas une grande taille. Vous voyez? Les gens normaux, ils sont comme ça. Les hommes également. Ils sont pas excités par n'importe quelle femme. C'est pas faux ce que vous dites, docteur. Merci. Les hommes également. Je vais vous dire un truc très important par rapport à l'immunité émotionnelle de la pédophilie en général. Un monsieur mature, viril, qui a vraiment des compétences sexuelles assez importantes, qui a vraiment des taux de testostérone assez importants. Un monsieur qui est sûr de lui, qui a vraiment des compétences merveilleuses sur le lit, c'est un monsieur qui ne va jamais être attiré par une adolescente ou par même une jeune fille de 20 ans. Ok? Un monsieur qui est mature, qui est sûr de lui et sûr de ses compétences, automatiquement, il va adorer les femmes des trentaines, okay? Voire même des quarantaines selon son âge. Okay? Alors, si je pose la question à un monsieur de 25 ans, de 30 ans, je lui dis, je vous donne le choix, monsieur, entre une fille âgée de 20 ans et une femme âgée de 32 ans, 34 ans, 35 ans. Ben, automatiquement, il va se sentir. Il va préférer la femme âgée de 35 ans. Pourquoi? Parce qu'il va être attiré, il va être séduit. Inconsciemment, il va sentir un plaisir. Donc, comment est-ce qu'un monsieur pourra sentir le plaisir? Comment puisse sentir un plaisir avec une gamine de 16 ans, de 14 ans? Comment? Je peux intervenir sur un sujet important que vous avez évoqué tout à l'heure. Oui, avec grand plaisir, vous m'envoyez juste la demande. Je vais jeter un coup d'œil, peut-être que vous l'avez envoyé. Bonjour docteur. Oui, bonjour. Excusez-moi, c'est juste parce que j'ai presque plus de batterie. C'est la raison pour laquelle je suis parti charger mon téléphone. Mais voilà, donc du coup, vous avez évoqué tout à l'heure un sujet qui est très important au niveau de la séparation de corps en fait entre un couple, c'est-à-dire en fait quelqu'un qui se met dans une chambre et l'homme se met dans une chambre et la femme qui se met dans l'autre chambre. C'est-à-dire en fait, voilà ce que je veux évoquer, c'est que vous avez parlé trop en fait, c'est-à-dire par rapport à l'homme, c'est-à-dire en fait au niveau de la partie masculine en fait de la personne, c'est-à-dire d'un monsieur qui a une éjaculation précoce, qui en fait n'épanouit pas sa conjointe. Et là, je peux intervenir justement sur ça parce que là du coup en fait il y a aussi en fait le stress. C'est que automatiquement, quand un homme en fait est stressé et de pouvoir juste, c'est-à-dire en fait faire l'amour avec sa conjointe et du coup en fait avec ce qui se passe en fait dans la vie, donc automatiquement il éjacule rapidement et du coup en fait ça y est en fait il arrête et puis c'est bon. Mais il faut pas oublier en fait qu'il y a les jeux sexuels. Donc le fait est qu'automatiquement quelqu'un qui souffre de cette éjaculation précoce peut justement pour guérir en fait de cette maladie parce que je peux l'appeler comme ça, c'est que il peut justement en fait avec sa partenaire peut justement faire des jeux sexuels avant une pénétration. Et en fait cette culture, il faut aussi en fait que parce que la femme aujourd'hui même avec la routine avec elle est aussi stressée, peut même faire la planche et automatiquement l'homme en fait pénètre automatiquement sans excitation, sans rien du tout, même s'il arrive justement à s'exciter et arrive justement et éjacule rapidement, c'est que la femme, sa partenaire n'est pas en fait ne marie pas, comment je sais pas comment m'exprimer, mais elle peut pas justement lui donner en fait la même une attention, faire des jeux avec lui, justement, pour qu'il puisse, en fait, voilà. C'est ça, en fait, ma question, c'est que il faut pas juste évoquer l'homme, en fait, que parfois, il a l'éjaculation précoce, il n'arrive pas, justement, à épanouir sa partenaire, mais il faut parler aussi de la femme qui aujourd'hui, en fait, n'a pas une culture sexuelle,
et elle n'a pas en fait une éducation, plutôt une éducation sexuelle. C'est que pour elle, c'est faire la planche, faire ce qu'on lui demande en fait. C'est que elle est mariée, donc elle fait la planche juste pour une éjaculation, et puis c'est tout en fait. Et puis voilà, donc c'est ça en fait ma question. Excusez-moi docteur, j'ai pas pu en fait m'exprimer royalement, mais c'est ça. Non, j'ai bien. C'est ça mon idée. Non, j'ai bien saisi ce que vous voulez dire. Je vais me permettre d'être plus audacieuse pour expliquer ça. Alors, je demande pardon parce que peut-être que j'ai mis en valeur la femme sans inconsciemment. Hein, donc, je demande pardon. Et sinon, je suis dans l'obligation. D'accord. Je suis dans l'obligation d'expliquer quelque chose que vous avez évoqué et qui est vrai à 100%. Alors, premièrement, il y a des hommes qui disent, excusez-moi, je vais utiliser un terme qui est utilisé par les hommes et qui est très bon pour la santé. Alors, il y a des hommes qui disent, les hommes normalement, qui sont normaux, ils disent, je veux que ma femme, excusez-moi pour le terme, c'est dit, je veux que ma femme soit ma pute. Alors, ça, c'est-à-dire que c'est un monsieur qui veut absolument avoir une vie intime, bien épanouie, et l'épanouissement sur le lit va totalement changer sa vie professionnelle. Pourquoi? Parce que le monsieur va être bien concentré, va être très performant, va s'améliorer et peut même gagner des marchés et vraiment bien évoluer sur le plan professionnel. Ça, je le touche chez mes patients. Alors, je veux que ma femme soit ma pute, c'est une phrase que les hommes ont peur de dire ça. Et malheureusement, les femmes comprennent mal ça. Et malheureusement, il y a des femmes qui aiment traiter leur mari comme des, entre guillemets, c'est-à-dire être vraiment très audacieuses. Mais malheureusement, moi, j'ai déjà entendu parler de certaines histoires qui sont terminées par le divorce. Pourquoi? Parce que le monsieur, en même temps, il aime avoir vraiment une femme très audacieuse. Il peut faire ça avec une étrangère, mais quand la femme, l'épouse officielle, c'est-à-dire sa femme, hein, son âme sœur, quand elle est très audacieuse sur le lit, alors le monsieur, il se dit, ma femme me trompe, ma femme est une mauvaise personne, ma femme a des... Alors là, il y a un paradoxe, il y a un problème de mentalité. Alors là, ce qu'il en a besoin, ok, mais il a peur de la société, confiant, il a peur que sa femme le trompe ou que sa femme soit une prostituée. D'accord? Donc ça, c'est une très grande question qui devrait être normalement traitée uniquement dans les cabinets. Pourquoi? Parce que si j'admets, par exemple, si j'accueille et que j'interroge le couple, c'est-à-dire je parle avec le monsieur, je parle avec la dame, et si les conseils et l'éducation sexuelle est donnée, est offerte à la dame en présence de son mari, le mari sera réconforté et il va comprendre que sa femme n'est pas une mauvaise personne. La femme, elle aura l'autorisation d'être audacieuse sur le lit, parce que moi, je discute ça avec les patientes, elles me disent, docteur, j'ai envie de faire ça avec lui, mais j'ai peur qu'il prenne mal les choses. Donc à ce moment-là, on fait un petit jeu, on invite le monsieur et on lui dit que voilà, je vais commencer une certaine éducation avec la femme. Pourquoi? Par exemple, le monsieur, il adore la fellation. La dame, elle a peur de faire la fellation. Soit elle a peur, soit elle n'a pas envie. Soit elle est dégoûtée. Donc, automatiquement, le monsieur va souffrir. Donc, en cas de propreté d'hygiène corporelle garantie, je pense que c'est bien de gâter le monsieur. Mais le monsieur, en même temps, il demande à sa femme ça. Et sa femme, elle me dit, docteur, j'aurais bien aimé le gâter, mais je suis sûre qu'il va me traiter de prostituée. Et ça, je l'ai vu avec les patientes. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, comme vous avez dit, vous avez trop bien expliqué les choses, vous avez dit qu'il faut absolument une éducation. Mais l'éducation, je déconseille intensément les femmes d'avoir l'audace ou de se permettre d'être audacieuse sur le lit avec un homme sans l'avoir mis au courant et sans avoir fait une consultation. Pourquoi? Pour éviter qu'il vous traite de prostituée. Ça, c'est vrai, parce que quand j'ai vu des femmes qui sont vraiment en dépression, diabète,
colopathie fonctionnelle, des femmes qui souffrent, des femmes qui pleurent toutes les nuits. Pourquoi? Parce que le monsieur, une fois, elle a été audacieuse avec lui. Elle a commencé à la traiter comme une prostituée. Alors ça, de un. De deux, vous avez parlé d'un point très important. Vous avez dit le stress et l'éjaculation rapide. Alors, premièrement, bravo pour avoir évoqué ça. J'ai déjà traité des messieurs qui ont été des messieurs qui ont été traités d'impuissants. Alors, vous savez très bien qu'un homme arabe marocain, musulman, quand sa femme lui dit ou son épouse lui dit, chérie, tu n'es plus compétent, il peut se suicider, hein? Il va souffrir, il va éviter les rapports. Il va vous dire, j'ai pas envie, alors qu'il a peur. Alors ça vraiment, ça fait mal, hein? Il faut pas faire mal à son conjoint. Il faut être vraiment, il faut miséricordieux avec le conjoint. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Premièrement, si vous êtes impuissant, moi j'ai déjà traité des gens qui ont une dysrexie, voire une absence, dysérection, ok? Ou une absence d'érection, carrément. Alors, il y a certains hommes qui ont un problème de diabète non diagnostique. Alors, par exemple, le monsieur a une hémoglobine glycée à 10, à 11. Il ne savait pas, le pauvre, qu'il était diabétique. Et son diabète a déjà retenti sur le fonctionnement de plusieurs organes. Parmi ces organes, ce sont l'innervation et le corps spongieux et le corps caverneux, pardon, de son pénis. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà pourquoi il faut toujours commencer par la médecine générale. Il faut mettre un diagnostic étiologique détaillé, entier et général de tout le corps. C'est-à-dire, un monsieur qui a un problème d'éjaculation rapide, première station, médecin généraliste. Bonjour monsieur, bonjour docteur. S'il vous plaît, docteur, j'ai un problème d'érection. Je ne suis plus compétent. Je veux comprendre pourquoi. Je veux pas de traitement. Je veux pas de fortifiant. S'il vous plaît, méfiez-vous. Déjà, il y a une fausse page qui porte mon nom et qui vous persuade que je vends les médicaments. Ça, c'est pas vrai. On a déjà déposé les plaintes. Méfiez-vous. Ne commandez aucune pommade. N'utilisez aucun complément alimentaire. Il faut comprendre pourquoi. Station médecine générale, pourquoi vous avez un problème d'érection? Si vous êtes diabétique, on va travailler tranquillement dans le terrain du diabète. Si vous avez de l'anxiété, on va essayer de comprendre qu'est-ce que vous avez comme problème. Alors, j'ai déjà vu des gens, des hommes, qui ont des contraintes professionnelles, genre des chèques impayés, genre il a été arnaqué, il a été trahi par un associé et ami en même temps. Un concurrent qui vraiment vous rend la vie vraiment pourrie comme la sienne. Alors tout ça, la communication corporelle est le résultat de la communication en général avec le conjoint. Un problème de communication va toujours retentir sur l'efficacité et la qualité de la vie intime. Exemple. Pardon, je parle trop, monsieur. Je ne sais pas, est-ce que vous arrivez à suivre ce que je dis? Oui, tout à fait, docteur. Tout à fait. Je suis là, en fait, D'accord. en train d'écouter, et c'est très important ce que vous dites. Merci, monsieur. Les cas en médecine générale, ils sont très différents. Alors, on a dit premièrement le diabète. J'ai déjà vu des gens qui sont dans un état grave de diabète déséquilibré à 11. Normalement, l'hémoglobine glycée ne doit pas dépasser 6. J'ai vu des gens qui ont un problème de communication avec leurs épouses. Quel type de communication? Quel type de problème de communication? Premièrement, les insultes, l'impolitesse. Alors, les gens impolis sont des gens toxiques, point à la ligne. Je conseille vivement toute personne adulte qui veut s'allier ou se marier ou être en contact dans n'importe quel cadre, mariage, concubinage, ce que vous voulez. Évitez les personnes impolies. Quelqu'un qui t'insulte, il faut jamais excuser ou pardonner les insultes. Je te pardonne, mais je veux plus que tu sois avec moi. Il n'y a pas de deuxième session, il n'y a pas de deuxième chance. Okay? Parce que quand tu dis à un homme une insulte, okay, ça tue. Une insulte tue les capacités intimes, que ce soit pour la femme ou pour les hommes. Alors la communication, il faut vraiment travailler dessus. Et troisièmement,
les causes les plus graves et sous-diagnostiquées et banalisées par les gens, c'est quoi? C'est les compétences cardiovasculaires. Un monsieur qui a un problème cardiovasculaire, automatiquement, ça va retentir sur sa vie intime. Exemple. Pour se mettre en érection, qu'est-ce qui va se passer? Il faut qu'il y ait une entrée de sang, d'accord? Dans des cavernes, dans des petites poches si vous voulez. Et après, il y aura un blocage. Il y aura un blocage. Donc le sang va être bloqué pendant une certaine période dans le corps caverneux, dans une partie du pénis linéaire, dans une structure linéaire. Et le sang va rester là-bas toute la durée de l'érection. Donc pour que le sang soit coincé dans une zone du corps, il faut avoir un bon cœur, un fort cœur et une bonne qualité des vaisseaux. Alors quand je dis qualité de vaisseau, il faut avoir une idée et éliminer et chercher par un médecin généraliste toutes les causes et les facteurs de risque qui peuvent toucher ou altérer la qualité des vaisseaux du monsieur. Exemple, le tabac. Donc les femmes, si vous voulez être gâtées sur le lit, restez loin des tabagiques. Pour le tabagique, il faut ouvrir une autre parenthèse. Les hommes qui passent une bonne période, une bonne durée dans les cafés, attention, vous êtes un tabagique passif. Donc les mêmes effets secondaires. Donc le tabac, alcool, irritation chronique, colère chronique. Pourquoi? Parce que les vaisseaux vieillissent, hein, se remanient, deviennent vraiment trop rigides. Les gens qui ont un problème cardiovasculaire comme l'hypertension artérielle, comme le diabète, comme l'athérosclérose, faites très attention parce que si les vaisseaux sont touchés, automatiquement les vaisseaux de votre pénis seront touchés et automatiquement ça va retentir sur la qualité de votre vie intime. Et puis la qualité du sommeil. Voilà, c'est tout ce qui m'est traversé l'esprit pour répondre à vos questions, monsieur. Mais sinon, je redemande pardon par rapport aux hommes. Parce que c'est très très touchant de dire les femmes souffrent d'érections rapides comme si les gens sont incompétents, alors que non, c'est pas du tout ça. C'est juste un signe d'alarme. Le trouble d'érection en médecine générale, c'est un signe d'alarme qui nous aide vivement pour et intensément pour trouver un autre problème de santé qui est bien loin de l'appareil urogénital. Voilà, donc je suis arrivée à la fin de mon explication, c'est dit. Je suis d'accord avec vous. Très bien. Docteur, merci pour la compréhension. Ah oui, je demande pardon, je ne faisais pas attention aux commentaires en expliquant. Voilà, donc je suis vraiment désolée pour les gens qui n'apprécient pas mon audace, mais je suis dans l'obligation d'expliquer avec une certaine audace. Pourquoi? Parce que c'est très scientifique et c'est très important. Le sujet principal, c'est l'immunité émotionnelle. Le sujet principal, c'est l'immunité émotionnelle sur les réseaux sociaux. Le sujet qu'on a traité, c'est protéger les enfants de la pédophilie électronique. On a parlé de la frustration électronique, la frustration sexuelle chez les pédophiles. On a compris ensemble que les femmes aussi peuvent être des pédophiles et les hommes ont honte de raconter ça. On a dit qu'il y a des gens qui sont attirés et séduits et tombe sous le charme de certains détails du corps d'un bébé, ça vous paraît bizarre, d'accord. Ça vous paraît bizarre, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Voilà, donc je suis arrivée à la fin de l'épisode. Alors, je remercie intensément et vivement le monsieur qui a participé. Vous avez Merci à vous, enrichi mon docteur. live. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Je vous en prie. Donc, si vous voulez voir la rediffusion, je vais l'enregistrer ce soir, Inch'Allah, sur ma chaîne YouTube qui porte le même nom. Très bonne soirée à tous. Voilà, donc je vous souhaite une excellente soirée. C'était Dr Asma Andoni, médecin généraliste marocaine à Pouchetaure et actrice comédienne amatrice sur les réseaux sociaux en arabe. Je fais de la comédie médicale en arabe uniquement parce que c'est tellement difficile d'être audacieux pour ce qui est de la sensibilisation sur plusieurs plans, sur le plan médical, sur le plan relationnel, sur le plan familial, et puis sur le plan intime. C'est pourquoi je vous en prie, Lala Maria, c'est gentil. Merci, Monsieur Matt.